Frédéric Iglesias, défaite 2-1 du HC La Chaux-de-Fonds dans le derby face à Ajoie. Le HCC ne trouve toujours pas la clé face à cette équipe. Troisième défaite en autant de matchs depuis le début de la saison. Bon, ils sont pas faciles à jouer, il faut leur laisser. Ils n'ont pas besoin de beaucoup d'occasions pour marquer. Maintenant, pour nous, le mot d'ordre ce soir, c'était de rien lâcher, de jouer 60 minutes et surtout d'être défensivement solide. Contre la meilleure attaque du championnat, de laisser deux goals, je pense que c'est pas mal. Et dans l'ensemble du match, on a plutôt bien joué. Je pense que depuis le début du championnat, c'est un des matchs où on a montré le plus de caractère. Il faut qu'on continue comme ça, parce qu'il faut que ce soit un tournant en fait. Il faut que ce soit une défaite positive, dans le sens où on garde tout ce qu'il y a de bien. On construit à partir de ça. C'est clair que contre une équipe comme Ajoie, ça pouvait tourner dans les deux sens. Maintenant, si tu joues contre des équipes plus faibles, puis tu joues toute l'année comme ça, c'est sûr que ça va tourner en notre faveur. Donc il faut partir à partir de là. Enfin, faut continuer dans ce sens et puis ça va aller. Ouais, je veux dire, on a été solide défensivement ce soir. C'était vraiment un point positif, je pense, pour nous. Et puis, comme un peu tous les autres matchs, on a de nouveau des occasions. Maintenant, ma foi, ça veut pas encore rentrer, mais il suffit d'un petit déclic et puis après ça va aller. Maintenant, on garde la tête haute, on se concentre sur les points positifs et puis on se concentre sur le match de dimanche. Merci beaucoup, Makayol Denis.